Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce 21e épisode de cette série sur... J'allais dire sur Napoléon Total War. Sur Total War Attila avec les Gates. La dernière fois nous avions pris et défoncé les Ruges. Ils sont pas encore morts hein, les Ruges. Hein. Les Ruges ils sont encore ici. Et maintenant je suis en paix, maintenant je ne suis plus qu'en guerre que contre les séparatistes, les Nobades, que je connais pas, ainsi que l'Empire Romain d'Orient. Autant dire que ce sont des ennemis qui ne sont pas du tout proches de moi, donc c'est plutôt encourageant, c'est assez positif ça. Là, ma flotte, j'étais en train de demander, la flotte que j'avais mis là, je l'avais déplacée ou pas? Oui, elle est ici maintenant. Bien, il me faudra recruter de la cavalerie pour cette armée. Deux unités de cave, étant donné que dans ma bataille précédente, j'ai été très nul. Très nul. J'ai absolument mal géré la bataille de Gotiskanza. Ça, je suis le premier à le reconnaître. Donc, on va essayer de régler ce problème. On va déplacer le petit général ici. On va l'envoyer à Afn. Rentre dedans s'il te plaît. Ici on va pas recruter des mercenaires, non. Recruter la bonne vraie cave. Cavalerie de pire nordique, c'est bien mieux pour l'attaque en mêlée, je préfère. Recruter les deux et après je ferai un échange entre ces deux armées. Afin de pouvoir avoir de la cavalerie dans l'armée des stalactites de sang. Bien. Ici, le bonheur, c'est bon. Ah, ça y est, la ville n'est plus malade. C'est vrai que j'avais la tuberculose, je crois, dans cette province. C'était assez pénible. Maintenant que j'ai pris cette ville, je vais me faire beaucoup d'argent. Mon revenu est très important. Ce qui fait que normalement, je devrais assez rapidement pouvoir reconstruire Ascocalis. Et également avoir assez d'argent pour aller prendre cette ville-là. La ville de Duna, étant donné que là-bas il y a des gemmes. C'est celle-là, non? Ouais, c'est ça. Duna, c'est cette ville. Ça sera assez sympathique, je pense. Tiens, cette ville, elle se trouve où? Elle se trouve là, d'accord. Bien. Étant donné que j'aimerais bien avoir aussi cette province. Mais avant tout, on va annexer ça et prendre Duna. Bien. Je vais donc pouvoir passer le tour tout de suite. Oui, on va passer le tour tout de suite. Ah, cette petite campagne là, ça me fait plaisir. Là, la petite campagne avec les Gates, je la trouve tout à fait agréable. Au début, ça fut assez dur quand même. J'avais des guerres de partout. J'étais en guerre contre quasiment la moitié du monde connu. Bon, j'exagère un peu, mais j'étais en guerre contre pas mal de factions en Angleterre. Toutes. Je suis arrivé, j'étais en guerre contre les Romains, contre les Britanniques, contre les Calédoniens, contre les Eblani, contre les Pictes. Après, j'ai été aussi en guerre contre les Jutes, qui eux ont réussi à survivre. Les guerres contre les Ruges, la guerre contre les Burgondes. Je suis toujours en guerre contre les séparatistes romains. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Je crois que j'ai tout dit pour le moment, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup de monde. Fin de la fonction, ok. Fin de la fonction, d'accord. Gain politique. Alors, contrôle, moins 4%. J'ai pas mal d'influence, donc je peux l'assumer. On va le prendre. Bien. Construction terminée, le torp. Ça y est, Rugion, la ville a été reconstruite. Donc déjà, on va faire le port ou pas? De toute façon, il me faudra 10 000 à peu près pour reconstruire Ascocalis. Faudrait que j'attende 3 tours. Et ben on va attendre les 3 tours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre les 3 tours. Le général a gagné un peu de galons. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un général pur et dur. On va prendre ça, tour de reconstitution plus commandant d'infanterie. Voilà, le gars c'est de la cave, c'est pas grave. On va l'envoyer au pas de course. Non! C'est plus rapide par la mer. Les mecs, ils ont tendance à vouloir passer par le chemin par la terre, mais c'est plus rapide par la mer. Lui, je vais l'envoyer ici à Afn.
afin d'avoir un petit général. Bah non, il n'est pas efficace du tout. Ce n'est pas grave. Surplus de population en Bretagne supérieure. En effet, je pourrais faire des bâtiments intéressants, j'en suis sûr. Corominium ou à Londres. De toute façon, j'ai décidé d'économiser de l'argent. Non, je vais être sérieux, je vais suivre mon plan qui est de pouvoir avoir cette ville en plus à Skokalis. Donc on y va tout de suite. Après avoir reconstruit cette ville, je pourrais retourner à faire des bâtiments et à développer mon empire. Mais là, je voudrais vraiment cette ville qui me permet de relier par la terre le Danemark, le Angulus, je crois, Rugion, Ascocalis, Kosciuszkanza. Après, il faudra que je prenne la ville qui se trouve là-bas, mais avant, j'irai prendre Duna. J'ai beaucoup de villes à prendre afin de vraiment avoir le contrôle total de la mer Baltique. C'était qui m'avait dit de prendre le total enfin, de prendre le contrôle total de la mer Baltique? Je crois que c'était Van Allen. Il me semble que c'était lui qui voulait que je le fasse, mais au début, je l'avais pas écouté. Je voulais vraiment être sûr de mes positions en Grande-Bretagne, avoir le contrôle total des îles avant d'aller vers la mer Baltique. Donc c'est fait, là je suis en train de remplir cette mission. L'appel du devoir, cette force a besoin de meneurs d'hommes. Ah, quelqu'un qui est mort. Alors, tireur d'élite appliqué, mécène. Ils se valent tous hein, en soi, il n'y a que l'âge qui différencie. On va prendre tireur appliqué. Cigare est mort. What? Mais ils meurent tous dans cette armée, c'est un truc de fou. Bon, là, il est jeune, le gars. Il devrait pouvoir survivre un peu plus longtemps que les autres. Allez, messieurs. Voilà. Et maintenant, toi, on retourne là-bas. Parfait. Mon armée est à nouveau opérationnelle. C'est bien. Ceci est fort, fort sage. Ouais. À dépenser de l'argent pour après en regagner plus. Je peux recruter de la cave ici, moi. Je vais virer cette unité là. Cette unité là. Pour aller recruter deux unités de cave. J'ai envie d'avoir deux unités de cave. Non, c'est pas mercenaire, c'est ça. Deux unités de cave par armée. C'est pour moi le minimum. C'est un minimum. Gisure. Gisure, gisure, gisure. De ce que je t'ai mis, j'ai l'impression que toi, tu es un gouverneur. Alors, où est-ce que je vais te placer? Je pourrais faire ça ici. Ordre plus 2 pour la province nationale. Faudrait donc que j'aille à fond par là. Bon, alors, on va améliorer à fond tout ça. Et après, prochaine fois, je vais aller. Vers le général. Bien. Eh bien. Allons-y. Ah, dans un tour, j'ai fini ma recherche. C'est quoi la recherche déjà? Entourage royal. Plus 5% de richesse, enfin d'argent provenant des bâtiments culturels. Oui, richesse. Plus 5% de richesse, ça marche aussi. Ouais, je pense que j'irai vers le militaire. Capacité de recrutement plus 1. Coût de recrutement moins 10% pour les unités de cave. Coût de recrutement moins 10% pour les unités d'infanterie de combat à distance, ouais. Enrôlement involontaire. J'irai à nouveau vers le militaire juste après. Dans les que maintenant, mon économie va plutôt bien, surtout que je vais me mettre à reconstruire tous les bâtiments qui ont été rasés. Ce qui fait que je serai avec une économie solide quand j'aurai tout reconstruit. Mais avant de tout reconstruire, je veux certaines villes. Afin de vraiment assurer ma position dans le nord. Même si en soi, en voulant ça, ma position est plutôt précaire, étant donné que certes j'ai beaucoup de villes, mais si mes villes ne sont pas assez fortifiées, assez développées, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'ils font les ruges là? Sérieusement?
C'est pas la peine d'essayer de vous balader, hein. Si vous me déclarez la guerre, je vous détruis. Donc, ne faites pas d'erreur que vous viendrez regretter plus tard. Alors toi, allez hop. On y va. Parfait. Bien. Là, c'est l'agent qui a gagné du galon. Qui ont saboté les murs. Plus 1 percé. Oh, je prends ça, je prends. Action harcelée, plus 5% de pertes infligées. Plutôt sympathique aussi. Endommager la colonie. Activité guérilla. Permet de saboter le bâtiment. Je vais faire tactique. Parfait. 8659. La cavalerie coûte cher à l'entretien. Bien. Voilà, maintenant mon armée est ici totalement opérationnelle. Ça coûte quand même très très cher à l'entretien. J'en suis conscient, mais c'est vital. Ici, nous restons encore un peu. Normalement, au tour prochain, je devrais pouvoir reconstruire la ville. Normalement. Oui, j'avais dit que je repartais vers le militaire avec le rendement involontaire. Je l'avais dit, je le fais. Bien. Prochain tour, je reconstruis la ville. Et peut-être qu'avant d'aller vers Duna, là, j'améliorerai mes bâtiments, étant donné que mon économie, suite au recrutement de ma cavalerie, est devenue... Enfin, elle est redevenue à la normale, quoi. Elle est plus révolutionnaire. Lorsque j'ai pris la ville, là, avec les 3000 par tour, oh, que ça faisait du bien. Mais j'ai tout de suite recruté de la cave. Ce qui fait que ça faisait beaucoup moins de bien pour mon économie. 1000 par tour, vont directement dans la cave, quand même. Ça coûte cher, les unités. L'entretien... Ouais, quand on dit que le nerf de la guerre c'est l'argent en quantité illimitée, ce n'est pas faux du tout. Eux ils viennent, ils vont refaire leur voyage en Suède. Maintenant que la guerre est finie, c'est plus trop la peine de faire des voyages. Enfin, je vois plus pour quelle raison vous irez faire ces voyages. Mais non, ils se baladent et continuent. C'était peut-être les meilleurs moments de la guerre. Leurs meilleurs souvenirs. Alors, Nous prenons cette colonie pour la tribu. Oh, seulement 8440. Enfin, 8840. D'accord. Bah, je colonise. Voilà. Et avec l'argent. Ah, oh, faut attendre un tour. Bah, dans un tour, je vais prendre ça. Mais maintenant, j'ai le contrôle total de cette province. Et ça, c'est plutôt cool. Et le gars il a gagné du galon. Richesse, un peu plus de bulletins s'il te plaît. Commandant de cavalerie, commandant d'infanterie, j'ai surtout de l'infanterie, donc on va y aller à fond. Ça c'était quoi? Intégrité plus 4. Non, je m'inquiète pas pour ton intégrité. Détail du général, ouais c'est bon. Parfait. Oui, toi, je voulais arrêter. Arrête de courir s'il te plaît. Bien! Là, on est plutôt bon. Faudra vraiment que je reconstruis toute cette ville. Là, je reconstruis le torp. Le tour pro d'après, je reconstruis le port. Je vais vraiment tout reconstruire dans ces villes. Avant d'aller vers Duna. Ça, comme, en plus, en améliorant ces villes, j'aurai vraiment beaucoup d'argent. Qu'est-il? 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 Tu es quoi, toi, qu'est-il? Si je t'ai envoyé là, ça doit vouloir dire que tu es un gouverneur. Qu'est-il, qu'est-il, qu'est-il? Qu'est-il, c'est ça, Freeze. Gouverneur en Freeze. Qu'est-il? Donc, on va aller là pour le coût de construction moins de 20%. Et ici pour la corruption. Allons-y. Ah, je suis plutôt content. En plus, là, j'arrive à combien de territoires? Étant donné que pour la campagne, il faut que j'en ai 30. J'ai. 3, 9 en Angleterre, 12, ben j'en ai 15, je suis à la moitié. Non, 16, 16, j'ai Angulus, 16. Je suis à 16 colonies sous mon contrôle. Il me semble que pour avoir la victoire mineure, c'est 30. Ouais, on vient de passer la moitié de la campagne. C'est sympathique ça.
La moitié des territoires qu'il me faut pour gagner la campagne, c'est fait. En ayant Dunash et tiens, ils vont s'installer ici, d'accord. Je serai à 17. En prenant l'oreille, j'aurai 18, 19. J'ai un autre 20, 21. 20 sur, je pourrais en avoir assez aisément, mais il me faudrait beaucoup d'argent avant. Construction municipale. Construisez un bâtiment dans la chaîne suivante, cité. Enfin, plus 1000. Allez hop, on fait ça. Tour prochain, on pourra faire le port. Mais d'abord, le torp. Parce qu'avec le torp, je pourrai ensuite reconstruire des bâtiments. Donc, priorité à ce niveau-là. L'armée ici se refait la santé. Étant donné que plus la moitié de l'armée a été utilisée afin de reconstruire Ascocalis. Guerre déclarée entre les Lugiens et les Huns. Intrus étrangers. Je sais. Je les ai vus. J'ai pas encore rencontré les Huns quand même. Ceci est à noter. Oula, les Saxons là, ils m'aiment plus trop. Quoi que les Saxons, ils m'ont jamais aimé. Mais ne les cachez pas derrière. Ah, ils ont accepté, parfait, yes. Ça, c'est plutôt bon. Mais c'est pas les Saxons que je cherchais, c'était les... Ah, les Alamans. Ah, ils m'aiment plus trop non plus quand même. Les Lugiens. Ah, vous êtes là. Eux, ils sont en guerre contre les Huns. Je suis sûr que vous venez porter des mots honorables. Ils veulent pas. Les Huns ici. Nation nomade qui se trouvait ici en ce moment. C'est pas Attila le chef de faction normalement? Parce que là c'est Avito Hall. On avait une cinématique avant. Nous annonçant l'arrivée d'Attila. Et vous? Un traité commercial. Non, parle pas. Ah là là les pauvres. Ça fasse qu'il rate. Hein. Il rate beaucoup d'argent. Il est juste. Oh, on sait jamais. Non, belle pas. L'Empire romain, j'ai pas envie d'essayer. Et les Alains. Les Alains. Veulent pas non plus. C'est pas grave. Bah, en tout cas, ça me fera un peu plus d'argent pour le prochain tour. En tout cas, je tiens à prévenir tout de suite. Je doute qu'il y ait de bataille dans cet épisode. Cet épisode sera exclusivement économique. Donc voilà, hein. Si vous voulez la baston, ce sera pas pour tout de suite. Étant donné que, avant de partir en guerre, je tiens vraiment à stabiliser ne serait-ce que cette région que je viens enfin de conquérir en entier, avant d'aller à Duna. De toute manière, je pense que les Saxons vont pas tarder à me détester. Il y a les petites factions au sud qui n'ont pas l'air de m'apprécier non plus. Donc la guerre, je sens qu'elle va venir à nous d'ici peu. Mais en soi, j'aimerais plutôt me battre contre les Romains. Contre les séparatistes, surtout. Contre ces bougres. Ça me ferait bien plaisir de les affronter. Sinon, je pourrais m'attaquer à la Gaule aussi. Ouais, je sais pas ouais, où aller après. En Espagne? Je sais pas. Faudra que je réfléchisse où aller faire mes guerres. De toute manière, les guerres, ça arrive bien assez tôt. Faction détruite. Les Vandales n'existent plus. Oh, ça, c'est une dévénation majeure pour tout. Naissance illégitime. Dommage. Épidémie. Angulus. Encore? Oh non! Encore la tuberculose. Mission réussie. Ouais, là, le bâtiment, pourtant. Fabricant de chaux, ouais. Bois sacré. Ouais, ouais, mais c'est que j'ai pas de bâtiment qui améliore... la salubrité. Voilà. C'est ça, la salubrité. Oui, ici. Le port. J'avais dit le port. On va faire le port. De toute façon, avec le reste d'argent, je n'ai pas assez d'argent pour améliorer. Si, je pourrais faire ça. Ah, ici, il y aura peut-être un bâtiment. Ouais, mais je préfère garder encore. Continuer à garder l'argent. Quoique. Ça prend deux tours. Dans un tour. Bah je vais faire le bâtiment à Afne. J'ai amélioré la grange. Ici j'ai un puits. Maison du chef, une ferme. La nourriture, il y en a assez. Le puits, l'artisan. Peut-être attendre un peu pour avoir une maison du chef. Car j'ai pas de maison du chef. Ah si, j'en ai une. Si, j'en ai une. J'aimerais avoir d'autres bâtiments. De toute façon.
Ici j'ai une... l'embarcadère, ici j'ai l'artisan. J'ai qu'un artisan. Ah non, ici j'ai fait fonderie. C'est ça. Niveau bouffe, en fait, j'ai l'impression que ça va être limite à un bout d'un moment ici. Bah, en fait, niveau bouffe, il faut que je m'en fasse. Je vais me faire le. Je vais me faire ça. La ferme, étant donné que je remarque que je n'ai qu'un seul bâtiment qui m'amène de la nourriture dans toute la région. Ouais, il vaut mieux. Surtout qu'avec le temps, la qualité des sols pour gagner de l'argent et gagner de la nourriture, ça va se dégrader. Donc vaut mieux que je fasse un bâtiment. Deux, ça, ce sera à mon avis le minimum. Bien. Eh ben, allons-y. Passons le tour. En tout cas, là, qu'est-ce qu'ils font, là, les Alains? Je sais pas ce que font les Alains. Mais la question que je me pose en ce moment, c'est les 1. Les 1, là, ils ont Attila, ils se sentent plus. Ma mission, c'est de survivre jusqu'en 432, je crois. Les 1, je me demande s'ils vont venir vers moi, vers le nord. Normalement, ils vont plutôt vers les empires romains. Mais là, je ne sais pas. Là, je me pose la question, je commence à devenir une... Je suis une puissance importante. Je suis une grande puissance. Je suis dans le top 5. Je me demande si les 1 vont venir. Car si les 1 venaient à venir chez moi, ça serait un peu inquiétant. Vous voulez me déclarer la guerre, messieurs? Car si vous le faites, mes armées sont prêtes à vous défoncer. J'ai des excellentes unités, mon économie tient la route pour mon armée, donc il n'y a pas de problème pour vous défoncer, hein. S'il y a une guerre, je suis pour vous, et ça me donnera une raison de vous casser la tronche. Faction des Druides, les Nobades. Ah bah ça fait ça, c'est un ennemi en moins, en fait. Pardon, non, c'est pas ici, c'est diplomatie. Et voilà, allez, plus que deux ennemis. Je fais pas de guerre et pourtant mes ennemis diminuent, c'est plutôt magique. Et eux, les Thuringiens. Les Thuringiens. Non, c'est pas ça. Je vais faire cette map. Thuringiens, Thuringiens. Je me demande ce qu'il mijote, ce bougre. C'est légèrement inquiétant. Bon, je vais garder mon argent. Ou alors je le dépense pour améliorer un autre bâtiment. Bâtiment, vous devez démanteler le bâtiment en ruine. L'emplacement précédent. Ah ouais, donc je dois finir le bâtiment là pour pouvoir aller là. D'accord, j'avais pas compris ça. Ok, ici je peux faire un bâtiment. Bon, il y a Corinium. Alors à Corinium, ici c'est bon, j'ai deux bâtiments qui font de la nourriture. J'ai un fabricant d'outils. Me permet de produire du fer. Je n'ai pas d'artisan. Il me faut un artisan par ici. Il m'en faut un. Ici, ça passe. Est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce que j'ai des artisans? Ici, j'ai sculpteur sur bois. J'ai artisan. Ici, tous les bâtiments ont été faits. Allez, Boracom, je vais faire un bâtiment. Nourriture, c'est bon. Nourriture, ça passe très très bien même. Je n'ai pas assez d'argent pour faire un deuxième artisan. J'en ferai un. Je me ferai un autre artisan à Eboracom. Eh bien, passons le tour. Ingmar. Je t'ai amélioré ici, donc tu dois être un petit camarade à ce niveau-là. Ici, ça fait capacité... Bon, de toute façon, il faudrait que j'attende encore un tour pour l'avoir. Bon, on va améliorer à fond la nourriture. Bien, continuons. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire dans ce niveau-là. Surtout que les Gates, là, sont un peu trop puissants. Ils ont éliminé leurs rivaux vikings. Bien que l'on puisse pas dire qu'à cette époque, ce soit les vikings. Les vikings, c'est bien plus tard. C'est les vikings, les premiers raids vikings apparaissent plutôt vers le
le 8e siècle. Donc il y a encore un peu de marge. Là, on est qu'au 5e. Non, si, on est au 5e siècle. On est au 5e siècle, oui. Mais les Vikings, c'est un peu plus tard. C'était une des raisons, d'ailleurs, pour certains disaient « Les ancêtres Vikings, ouais, mais les Vikings, c'est n'importe quoi et tout. » Enfin, arrêtez. Le DLC s'appelle « Ancêtres Vikings », hein. Car bon, les Vikings, ils sont pas apparus par magie. Il fallait bien qu'ils aient des grands-parents et tout, de la famille avant. On est les ancêtres. On est la base de la culture. Mais bon, là, maintenant, on peut plus parler d'un royaume viking, on pourrait plutôt parler de l'Empire Viking, l'Empire du Nord. Tandis que j'ai une domination assez totale à ce niveau-là, dans le Nord. Hein. Ouais, je sais, la tuberculose se répand, ouais, c'est pas grave. Établir des relations commerciales avec la faction suivante, les Lugiens. Ils viendraient accepter ces bougres. Les Lugiens. Ah ouais. Potentiellement, ouais. Salut à vous. Je suis sûr que vous venez porter des mots honorables. Que j'écouterai. Ouais, en gros, faut qu'ils m'adorent maintenant. Bah, les Lugiens. Je vais essayer de faire. Lance militaire. Ah, ça va pas. Un pacte de non-agression. Ça va pas non plus. Bizarre. Alliance. Non. Arranger un mariage. Ce serait pour mon héritier. Ouais, j'ai pas envie. Pas envie de donner ça. Enfin... Ouais, je donne beaucoup d'argent et j'ai pas envie. Je suis censé pouvoir y arriver, c'est ça le truc. Ah oui, c'est vrai. Si maintenant je peux affaire. Ah, il me manque un de pop. Argue. Je peux pas, j'ai pas la pop nécessaire ici. Facteur de croissance 21. 207. J'ai pas encore assez. Bien dommage. En tout cas, maintenant j'ai le port. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais améliorer les bâtiments par là-bas. Ici, je vais faire donc l'artisan. Et avec les 1700 que j'ai, je pourrais améliorer le puits ou les pâturages. Les pâturages seraient pas mal. À moins d'améliorer d'autres villes. À l'abus, je peux améliorer des bâtiments. Soit j'améliore ça, soit j'améliore... Ouais, en fait, c'est les mêmes, quoi. Globalement, ça m'amène à la même chose. À l'abus, ouais. On va peut-être faire des abreuvoirs, on va améliorer ça. Ça me paraît assez vital. Lui, l'amiral, il a gagné du galon. Autorité, ouais, on va rester là-dessus. Commandant d'infanterie, étant donné que j'ai envie d'aller au commandant de flotte, moi. Parfait, j'ai voulu beaucoup d'argent. ce n'est pas grave. Moi, j'assure le coup. Ah, toi, t'étais pas dedans. Ah, en fait, la flotte, depuis tout à l'heure, elle se trouve en bordure. Non, mais d'accord. Mais tout à fait. Tout à fait, Thierry. Bien. En tout cas, là, l'économie est stabilisée. Gotrek. Gotrek. Les gouverneurs. En fait, depuis tout à l'heure, depuis le début de la campagne, je vais dans l'arbre généalogique pour après repérer. C'est écrit ici que c'est un gouverneur. Mon dieu. Je suis complètement bête. Alors, capacité de recrutement, ouais. Et taux de fatigue, moins 20%. Non, faut que j'aille maintenant par là-bas. Pour arriver à ça. Et là, ce sera la classe. Public plus 2, ça c'est plutôt génialissime. Bien, voilà, ça c'est fait. Bien, faudrait que j'aille prendre cette ville quand même aussi, ainsi que celle-là pour vraiment assurer ma domination dans le nord. Même si là pour l'instant je suis le seul en mer Baltique, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter à ce sujet. Là, la mer Baltique est sous mon contrôle. Il n'y a aucune nation qui a un accès à cette mer. Il n'y a que des villes abandonnées. Enfin, il ne reste plus qu'une ville portuaire, plus une ville qui a une plage.
Donc globalement ça va là, je peux dire que j'ai le contrôle. Il y a que les Russes qui font du tourisme en Suède. C'est tout. À part eux, il n'y a personne en mer Baltique. À part moi, évidemment. C'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'ils font là, les eux là? C'est les Francs, hein. Les Francs reviendraient-ils vers le nord? Tandis que je tiens à rappeler que les Francs se sont fait dégommer par les séparatistes romains. Mais heureusement qu'ils avaient pris une ville en Espagne, sinon ça aurait été une nation en balade, et ça aurait été pas très sympathique. Il faudrait que je regarde d'ailleurs avec qui ils sont en guerre, ceux-là. À mon avis, ça pourrait être intéressant de voir ça. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Alors, influence plus 2 par tour, attaque en mêlée plus 5, 5. Ah, bah c'est plutôt pas mal ça. Mais bon, lui il est pas général donc. On va donner notre bénédiction. Voilà, c'est fait. La bénédiction a été donnée. Cotrec. Je suis en train de regarder un peu tout ça. La loyauté est très mauvaise pour cette personne. On va devoir sécuriser la loyauté de Hakon. Donc là, elle est pas bonne du tout. Bien. Bien, bien, bien. Sinon, le reste, ça passe. Parce que bon, on m'a dit en fait que la bague, ça veut dire que la loyauté est très très faible pour la personne en question. Donc ça, ce fut une très bonne indication. Lui... On va le mettre ancien. Lui, on va le mettre compagnon. Autant que je les mette moi-même afin de vraiment garantir tout ça. Lui, alors Steinar est gouverneur. Il pourrait être seigneur de guerre ou chef tribal. Coup de recrutement, ouais. Influence, ouais. Intégrité plus 2 pour les troupes. Juge. Juge, juge. C'est beaucoup plus intéressant de le mettre juge, lui. Lui, il est aussi gouverneur. Je pourrais le mettre juge également. Lui est général, mais n'a pas assez de... d'influence pour pouvoir avoir cette fonction. Alors lui, il a largement l'influence pour être ancien. Donc je prends. Lui, c'est le roi. Et toi, ancien aussi. On va mettre le tonton en tant qu'ancien. Et lui, il n'a plus assez d'influence. Voilà. Gérer l'influence afin d'éviter qu'il fasse n'importe quoi, c'est plutôt important. Bien, avec mon argent, qu'est-ce que je vais en faire? Je pourrais améliorer un port. Pour le moment, j'ai l'embarcadère. Je pourrais faire embarcadère commerciaux. Et en 1, je pourrais mettre embarcadère... J'ai déjà un embarcadère militaire. En fait, je pourrais faire embarcadère de pêche. Je pourrais faire de tout. Assemblée, plus 2. Hors public, moins 2. Ouais, en fait, l'hors public, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Faire réservoir, hygiène publique plus 5. Ça pourrait être sage. À moins que j'améliore d'autres bâtiments par ici. Et ici, je pourrais améliorer l'artisan. Pour faire les groupes de guerriers nordiques à la hache. Ça serait sage, ça. Je vais faire ça. Pour pouvoir recruter des bonnes unités dans mes armées en Angleterre, c'est à mon avis vital. Et en plus, ça améliore un peu mon économie, alors c'est tout bénef. Ça me permettra de recruter de meilleures unités tout en gagnant plus d'argent. On va pas cracher dessus. En plus, là, mon argent, mes revenus augmentent pas mal. Ce que j'aimerais, en fait, c'est finir la vidéo en ayant une meilleure économie qu'au début. Parce que ça voudrait dire que j'ai vraiment amélioré mes revenus. Étant donné que j'ai recruté des unités. Hein. J'ai perdu justement un peu plus de 1000 or par tour. C'est quoi l'argent du jeu en fait? Je pose la question, c'est quoi l'argent? Enfin voilà, 1000 or par tour.
suite au recrutement de la cavalerie. Donc voilà. Profitez de cette accalmie. Elle est finie. L'orage gronde. Une tempête de sang pour vous emporter. Les Burgondes. Si tu veux. Donc ils sont rejoints par les Thuringiens. Donc maintenant nous sommes en guerre. D'accord. Je suis maintenant en guerre contre les Thuringiens maintenant. Ouais, ils vont aller attaquer Rugion. Ah, alors là, vous avez vraiment du mérite, hein. Ouais, bon, alors cette bataille, je peux pas la gagner. Je suis quand même en train d'essayer de réfléchir à ça. Je vais la faire. Je vais la faire, je vais la perdre. Mais je vais la faire quand même parce qu'au moins il y aura une baston dans l'épisode. C'est... en fait, le truc qui m'inquiète le plus, c'est les onagres. Ça, mis de côté, ça passe. S'ils avaient pas d'onagres, je pense que j'aurais pu gagner la bataille. Mais ils ont des onagres, et les onagres, ça fait mal. Ça fait atrocement mal. Mais en fait, vaut mieux en effet que je fasse la bataille moi-même, afin de leur infliger le plus de pertes, pour que mes armées puissent défoncer les signes de sang, le nom de la... enfin, cette armée, et pendant que l'autre, pendant ce temps, l'autre ira attaquer leur capitale, et donc j'aurai un ennemi en moins d'entrée de jeu. Et les Burgondes seront à nouveau tout seuls. De manière, les Burgondes se trouvent au niveau du Rhin, donc s'ils venaient à vouloir m'attaquer en Angleterre, j'ai une armée qui les attend de pied ferme. Donc non, ça c'est une guerre, ok, ils m'ont déclaré la guerre, mais ils n'ont aucune chance de me vaincre. J'espère qu'ils s'en rendent compte. À l'heure actuelle, je pense que les seuls qui peuvent me vaincre, ce sont les Huns. Je pense les Sassanides aussi. Et éventuellement l'Empire Romain. Et encore, l'Empire Romain d'Orient. Parce que l'Occident, lui, il est mort. L'Empire Romain en Orient, j'ai quelques doutes. Alors, ils se sont séparés. Ils ont mis un lancier, deux hacheurs. Est-ce qu'ils ont des... Non, eux, ils n'ont pas de... De... trucs qui se lancent, là, les... De javelinier ou de francisque. Plutôt les francisques, pour eux. Lancier germanique. Je pense qu'il vaut mieux que je débarque par ici, afin d'être un peu plus protégé par ça. Ma cavalerie, je vais la mettre ici. Je vais la mettre là. Ici, alors, où est-ce que je mets le mur? Le mur, je vais le mettre là. Je vais mettre mes unités ici. Et toi, tu vas te mettre ici en mode mur de lance. Et maintenant, allons-y. Je reprends ça. Eux, ils sont cachés. Eux ne le sont pas. Eux, ils sont cachés. Pense qu'ils peuvent pendre ces murs et s'introduire dans nos familles, nos temples et nos hôtels. Nous ne tolérerons pas cette arrogance. Ils paieront pour ça. Ok, ils paieront cette arrogance pour oser nous attaquer. Ah, mon chrono me dit que je suis censé m'arrêter. Eh ben, on va faire cette bataille quand même. L'ennemi est en surnombre. Non, l'ennemi est en surnombre, sans deck. Alors là, c'est une nouvelle de taré là, que tu m'apprends là. Alors là, je m'y attendais, mais vraiment pas. Impressionnant. L'ennemi est en surnombre. Vraiment. Ah, mais j'aurais jamais deviné, hein. Très franchement, alors là, je suis surpris. Bon, au moins, nos tours auront de quoi faire pas mal de dégâts avant. Ce qui est plutôt sympathique, ça. Et ils n'utilisent pas leur onagre. C'est bien à savoir, ça. Alors, vous, je vais vous mettre par ici.
s'il vous plaît. Allez là-bas. Toi, on va par la plage afin de rester caché le plus longtemps possible. J'aimerais en fait que ma cavalerie puisse tenir longtemps. Lancez vos ultimes javelots, s'il vous plaît. Ah, ils sont en déroute, parfait. On va se mettre en position mur de bouclier. S'il venait à me charger, je serai donc j'ai des bonus comme ça. Allez messieurs, massacrez-moi leur unité de mercenaires germaniques là. Pendant ce temps, je me fais attaquer dans le dos. C'est pas gentil ça. Bon, ça sert à rien de rester ici. Et si on les tue, il faudrait massacrer le plus d'hommes possible. Si je pouvais massacrer vraiment énormément d'hommes, ce serait génialissime. Alors, vous. Ouais. Toi. Allez-y. Si on pouvait tuer avec vos javelots, lancez un peu sur la cave, s'il vous plaît. Ah, ici. Là, le mur va pas tarder à s'effondrer. Non, 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 mais ça, en fait, vous restez là. Ah si, bon, finalement, on va là-bas. Vous. Allez là-dessus, vous, là-dessus, vous, là-dessus. Foncez sur les nobles germaniques. Normalement, vous devriez les massacrer haut la main. Normalement, hein, je dis bien. Alors, on va envoyer nos unités de maraudeurs lourds germaniques. Si je pouvais venir réussir à tuer leur gars. Ah, ça part en déroute. Je vais envoyer mon unité de maraudeurs. Ah, le général est mort. Yeah. Le général Rother est mort. Leur morale devrait baisser. Vous, sortez là. Ah, j'ai massacré, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu. Vous ramenez-vous par là, s'il vous plaît. Bah, si on peut massacrer quelques unités quand même, hein. Je vais pas me faire prier. Eh bien, allez-y sur eux, là. Allez, jetez vos petites lances. Allez hop, on améliore le corps à corps. Massacrez vraiment, massacrez-les s'il vous plaît. Ah, c'est fini. C'est fini. J'aurais quand même réussi à leur envoyer en déroute 1000 hommes. Enfin, presque 1000 hommes. Plutôt pas mal ça. Et ils ont perdu leur général. Surtout que la ville, ils vont jamais la prendre, ils vont seulement la raser. Perte 289, eux, ils ont quand même perdu 706 pécores. 706! Toute leur cave a été désinguée. Ça, c'est important à savoir. Leur général est mort, ça s'est fait laminer. Beaucoup de leur armée s'est faite défoncer dans cette bataille quand même. Seulement avec 354 mecs. J'ai le ratio 1 pour 2 quoi. Ce qui est pas mal. Bon, pour avoir le ratio 1 pour 2 en fait, il m'aurait fallu tuer 2 hommes supplémentaires. Voilà. À 2 hommes près, j'avais le ratio 1 pour 2. Là, j'ai le ratio 1,9999. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, leur armée ici s'est bien fait dézinguer.
Ils ont perdu toute la cave. Ils ont plus de cave dans cette armée. C'est plutôt sympathique. Enfoiré, vous avez rasé ma ville. C'est pas gentil, ça. Enfin, ils ont bien raison de se replier, étant donné que... Ils ont quand même essuyé de lourdes pertes. Les pauvres. Bon, bah, finalement, vous aurez eu la bataille. Hein. Petite bataille, hein, petite. C'est une défaite, en plus. Et voilà, c'est mieux que rien. Ceux qui veulent voir du sang en ont vu. C'est vrai que j'aurais peut-être plus zoomé. Des vrais séparatistes romains. Des séparatistes romains d'une autre époque. Colonie mise à sac. Cause naturelle. Argle. Alors, décrété. De toute façon, j'ai pas de choix, en fait. Viande, compagnon. Voilà, faveur politique. Faveur politique. Pot de vin, loyauté, plus 2. Moins 30. Ouais, j'accepte. Fonction sécurisée. Bien, maintenant le gars il est plus trop sujet. Voilà, il est plus trop sujet à la trahison, c'est plutôt sympathique. Bien! Alors, cette armée-là, désolé, mais je ne le tolère pas. Je ne tolère pas un tel affront. Vous avez bien de la chance. Je vous aurais bien cassé la tronche. Coucou. Tu m'avais attaqué? Eh bien, je vais occuper ta ville. Voilà. Ah, ils ont quand même, ils ont fait des petits territoires ici. Alors, monsieur, hein? On pensait pouvoir s'en sortir? Franchement, tu croyais que j'allais te laisser faire? Mais non, pas du tout. Hein, moi, je suis pas comme ça. Nananer. Voilà, Lupurdom. Eh, j'arrive à des territoires que je connais grâce... étant donné qu'ils appartiennent à l'Empire Romain, là. Enfin, du moins, ceux-là, lui, je le connais parce que c'est juste avant l'Empire Romain. La Germania. Ça appartient aux Lombards. Aux Lombards. Tiens donc. Les Lombards. Peut-être un peu de commerce avec vous. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai pris une ville, c'était pas prévu. Mais on va pas se priver. On va reconstruire tout ça. Voilà, fortifions la ville de Lupurdom. Je compte bien après foncer à nouveau sur Kasurgis et les vassaliser. Pas les annexer, étant donné que j'ai pas envie de partir trop au sud pour l'instant. J'aimerais plutôt consolider tout ça. Mais en prenant cette ville, j'assure en fait... en prenant Lupurdom, j'assure la défense de Rugion. Il faudrait après... Il y a encore d'autres villes pour vraiment assurer la défense du nord. Il faudrait que je prenne cette ville aux Saxons, ainsi que cette ville aux Lombards. Et là, je défends vraiment bien le nord. Quoique en fait, il faudrait aussi que je prenne Colonia Agrippa. Et puis cette ville aussi. Ah là là! Bon bah, finalement, je crois que l'Allemagne va être nordique. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. A plus, les gens.